Moi, Johan Catherine. Là, nous tous les deux, dans un moment de parents, un moment de grands-parents, c'est-à-dire, je suis toujours là, comment dire. Et c'est un jardin qui mon maman et mon papa, notre passion, c'est occuper ça, ce jardin. Hein. Et là, ben, voilà. Tous les deux, c'est un village qui bon, il est aussi unique qui beaucoup des autres villages. Chaque village est dans ce cliché. Et qu'ici, ben, comment on peut dire ça? Ce qu'on a causé, c'est du grouillon la journée, on va dire, beaucoup d'activités, notamment avec Joseph, qui a beaucoup de plaisanciers qui travaillent. Et ici aussi, on a beaucoup de monde dans Maurice, par exemple, qui a noué le morceau en boulette d'ailleurs, des Alizés. Restaurant Chino, je suis capable de citer des trois noms que de bande du monde viennent côtoyer ça dans le coin. Bon, il est ancré dans moi, hein, il fait beaucoup, il révèle beaucoup dans l'identité de la musique. Ça, on pense à des affaires naturelles. Ouais. Donc, je vivais un joli voyage avec Sam Rousseau-là, qui fait parce qu'il y a beaucoup de monde qui. Je suis content de sa santé là, et il fait le bonheur de beaucoup. Associé à ça, moi, avec la musique, comment dire, avec tout ce qui est impliqué, sur ma facilité, sur ma difficulté. Et les temps, le passé, qui fait aujourd'hui, la musique, pour moi, on peut trouver qu'il me prend en maturité. Et il me change, je peux faire une autre affaire aujourd'hui. Pas forcément ça alors que je préfère il a allons dire 5, 7 ans de cela et voilà. Que devient Johan Catherine? Johan Catherine devient père de famille et puis artisan dans la vie tous les jours, c'est à dire qu'il me tout ça plusieurs bricoles, comment dire. Et en même temps pour distraire l'esprit, en même temps pour une ressource aussi, tu comprends. Donc des fois, on met là, on pratique dans les autres matières. Et maintenant, on peut prévoir sérieusement pour investir le temps aussi, malgré que les temps pas toujours évident pour les temps, mais pour investir le temps dans mon projet, c'est-à-dire sur mon prochain album. Ouais, un album en préparation. Album là, il peut contenir maximum 8 titres ou peut-être moins. Mais c'est un titre qui me prend beaucoup de temps pour explorer comme matière, explorer la composition, essayer tant de bander les autres méthodes, bander les autres métaphores qui comme matière. Nous, pas forcément, comment dire, inutiliser jusqu'à là. Et oser faire ça, c'est tout. Pour qui faire? Pour bonne évolution de la musique. Pour moi, je trouve qu'il m'a contribué pour ça. Et il n'est pas toujours aussi évident parce que, en fait, tu es capable d'essayer des affaires, tu es capable aussi de sortir une tradition, tu comprends? Mais je me fais quand même avec patience, beaucoup de patience. Et je me aussi faire ce qui m'a fait redevenir. Je me souhaitais qu'il contribue à la longue. Que l'album contribue à la longue et non pas comment dire, qu'il est là, comment dire, qu'il est éphémère, qu'il est passé 5 fois le temps, comment dire. J'ai envie qu'il contribue dans l'histoire du pays. C'est ça que je me fais. Dreamers 8, nous prenons place. Correct, nous pour là pour faire la musique, nous pour là pour faire eux vibrer et conscientiser eux aussi. Nous avons un message qui s'est totalement le faux que artistique. C'est aller du 17 décembre dans Dreamers 8, Johan Catherine et tous ses camarades.